Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 17. Ésaïe, chapitre 1er, verset 17. Apprenez à faire du bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. Ce texte d'Ésaïe, dans le monde chrétien, on le comprend comme voilà, le péché, c'est quelque chose de rouge, sans, un peu couleur sang. Quand ton péché serait rouge, comme le cramoisi, eh bien le Seigneur le rendrait pur comme la laine blanche. Alors on le comprend de cette manière-là, mais ce qu'on connaît moins dans le monde évangélique et dans le monde chrétien en général, c'est la relation qu'il y a avec la sacrificature. Ce texte-là nous parle d'un événement particulier qui se passe à Yom Kippour. Et pour y voir un peu plus clair, on va lire dans le livre du Lévitique. Alors, pourquoi le Lévitique est-il un des livres les plus importants de la Torah? Déjà, c'est le livre central. C'est lui qui se trouve au milieu. Et vous savez, je vous ai déjà parlé de ça quand vous prenez le premier Tav de la Genèse et que vous comptez par saut de lettres de 50, vous avez le mot Torah qui s'écrit. Si vous prenez le livre de l'Exode, et vous preniez également le premier Tav, vous avez le mot Torah aussi qui s'écrit tous les 50, c'est-à-dire 50, ça nous parle du don de la Torah, ça nous parle de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit, mais ça nous parle aussi de l'année du Jubilé. Et si vous prenez les deux derniers livres de la Torah, là c'est l'inverse. C'est Torah, mais à l'envers. Donc vous allez avoir un Hé, et vous allez avoir Torah. C'est comme si les mots Torah nous dirigeaient vers le livre du Lévitique. C'est comme si c'était deux flèches de chaque côté dans nous montrant le Lévitique. Et dans Lévitique, vous ne trouvez pas Torah, mais vous prenez le premier Yud et vous faites toujours le même saut des 50 lettres. Et vous avez le tétragramme. Ça veut dire que le livre de Lévitique est l'expression, donc c'est le livre de la sacrificature, mais c'est le livre qui nous parle du nom au-dessus de tous les noms qui a été donné, Yeshua Mashiach, parce que Yeshua était celui qui incarnait le tétragramme. La preuve en est, c'est que quand ça je vous l'ai déjà dit aussi, mais c'est bien parfois de répéter les choses, quand Jésus a été arrêté et que la cohorte romaine lui dit « Nous recherchons Yeshua, es-tu celui-ci ?» Jésus répond « Je le suis ». C'est-à-dire, il répond « Le tétragramme, je suis celui qui est. » Et là, vous avez les prêtres, enfin les serviteurs des prêtres et la cohorte romaine qui s'effondre à terre. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec Yom Kippour, justement, on va en reparler. Et une deuxième fois, nous recherchons Yeshua. Je le suis, je suis. Et à nouveau, la cohorte s'effondre par terre. Ça montre que le livre du Lévitique nous parle de ce que a accompli Jésus. C'est le livre qui va nous conduire à l'accomplissement de la Torah, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus. Et donc, on va lire dans le livre du Lévitique, au chapitre 16, et on va lire à partir du verset 2. Lévitique 16, à partir du verset 2. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron, ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, à l'intérieur, au-delà du voile, devant l'expiatoire qui est sur le coffre. Ainsi, il ne mourra pas, car j'apparaîtrai dans la nuée au-dessus de l'expiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un taureau en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin, et portera des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin, se couvrira la tête d'un turban de lin,
Tels sont les vêtements sacrés dont il se revêtira. Après avoir lavé son corps avec de l'eau, il recevra de la communauté des Israélites deux boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron présentera le taureau du sacrifice pour son propre péché. Il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Il prendra les deux boucs, ou les deux béliers, et les placera devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron tirera au sort les deux boucs, un sort pour le Seigneur et un sort pour Azazel. Aaron présentera le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur, et il l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur, afin de faire l'expiation sur lui et de l'envoyer dans le désert pour Azazel. Aaron présentera le taureau du sacrifice pour son propre péché, il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Il immolera le taureau du sacrifice pour son propre péché, il prendra une cassolette pleine de braise de l'autel devant le Seigneur et deux pleines poignées d'encens aromatiques en poudre. Il apportera cela au-delà du voile, il mettra l'encens sur le feu devant le Seigneur, afin que la nuée de l'encens couvre l'expiatoire qui est sur le témoignage. Ainsi il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau, et, avec son doigt, il en fera l'aspersion sur le devant de l'expiatoire vers l'est. Avec son doigt, il fera sept fois l'aspersion du sang devant l'expiatoire. Il immolera le bouc du sacrifice pour le péché du peuple, et il apportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur l'expiatoire et devant l'expiatoire. Ainsi, il fera sur le sanctuaire l'expiation des impuretés des Israélites et de leurs transgressions pour tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il rentrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire et jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui-même, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant le Seigneur et il fera l'expiation sur l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il le mettra sur les cornes de l'autel tout autour avec son doigt. Il fera sept fois l'aspersion du sang sur l'autel et le purifiera des impuretés des Israélites et le consacrera. Quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes leurs transgressions, tous leurs péchés. Il mettra sur la tête du bouc, puis l'enlèvera. Il les mettra, sur la tête du bouc, puis l'enlèvera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc sera chargé de toutes leurs fautes et les emportera vers une terre inaccessible. Ainsi, on enverra le bouc dans le désert. On arrêtera là notre lecture. Ce texte est très intéressant parce que là, il nous parle vraiment de l'expiation de Yom Kippour. Et vous remarquez que ce texte est assez succinct. Il y a quand même des précisions. Mais nous avons des précisions de cet événement dans la Mishnah. Alors, je vais faire une petite parenthèse là maintenant parce que nombreux sont ceux qui, comme n'étant pas habitués à la connaissance hébraïque et de ce qui se passait avant la venue de Jésus, quand on parle de la Torah orale ou de la Mishnah ou du Talmud, il y a beaucoup de chrétiens qui sont effrayés parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. La Torah orale est l'explication de la Torah écrite, c'est-à-dire c'est comment mettre en pratique la Torah écrite. Je prends souvent cet exemple pour ceux qui dénigrent le fait que on se réfère parfois à la Mishnah ou au Talmud, c'est-à-dire à la Torah orale, à la tradition orale hébraïque, c'est que s'il n'y avait pas de tradition orale hébraïque, nous n'aurions pas de traduction de la Bible. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que la Torah, quand elle a été donnée à Moshe, elle a été donnée sans distinction entre les lettres ni les mots. Et il n'y avait pas de voyelles. Or, pour pouvoir vocaliser la Torah, pour pouvoir déterminer quel mot et quel autre, il n'y avait que la tradition orale qui permettait à celui qui avait reçu cette tradition de le transmettre au peuple. On voit très bien ça, par exemple, dans le livre de Néhémie et d'Esdras,
quand vous voyez Esdras qui redécouvre le livre de la Torah, la loi, dans le temple, et il reçoit de Dieu l'interprétation qui a été donnée à Moïse, c'est-à-dire la Torah orale. Et qu'est-ce qu'il a fait Esdras à ce moment-là? Il a ouvert des yeshivot, c'est-à-dire des écoles qui enseignaient au peuple la Torah. Vous voyez dans le livre de Néhémie, Esdras faire la lecture au peuple et expliquer au peuple la Torah. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, cette école-là a donné l'école des pharisiens. Si vous voulez, les pharisiens sont issus de ce qu'avait fondé Esdras à l'époque. Donc, pour pouvoir lire la Torah, il fallait que Moshe le transmette à des hommes et des femmes, enfin des hommes surtout lévitiques, et eux-mêmes transmettaient au peuple, expliquaient au peuple, parce qu'ils étaient prêtres. Donc, c'est le livre du Lévitique. Les Lévites, comme son nom l'indique, étaient ceux qui étaient à même de donner une bonne interprétation de la Torah. Tout comme Jésus, quand il est venu, il dit « Je ne suis pas venu abolir la Torah, mais je suis venu l'accomplir. » Mais le texte sous-jacent hébraïque nous dit « Je suis venu vous apporter la bonne interprétation, la bonne explication de la Torah. » C'est-à-dire, je suis venu, moi, vous apporter la Torah du Messie. Cette Mishnah, ce Talmud, cette Torah orale, n'était jamais écrite. Pourquoi elle le fut et pourquoi nous avons aujourd'hui la Gemara, la Mishnah, le Talmud, c'est-à-dire toute cette tradition orale issue de ce don de la Torah. Bon, après, ça a été rajouté avec les rabbins, il y a eu des rajouts, évidemment. Alors, on se dit, oui, mais ils transforment la Torah, ils en rajoutent à la Torah. Non, ils ne rajoutent pas à la Torah. Le Talmud, la tradition orale, va donner des implications pratiques sur la Torah écrite. Il ne modifie pas la Torah écrite. Mais, comme je donne souvent cet exemple-là, pour le don du sang, tu ne consommeras pas de sang. Est-ce qu'on peut avoir une transfusion sanguine? Ça n'existait pas à l'époque de Moshe. Eh bien, comme la Torah est une Torah de vie, eh bien, si c'est pour défendre la vie, ils ont mis dans la Torah orale la possibilité de recevoir une transfusion sanguine parce que c'était pour défendre la vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, la tradition orale, c'est la mise en pratique concrète de la Torah écrite dans la vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle il est toujours bon de se référer parfois au Talmud, à la Mishnah et à la Gemara, parce que nous trouvons des réalités qui se font, et notamment dans la Mishnah nous explique par A plus B comment se passaient toutes les cérémonies. Et notamment, c'est grâce à la Mishnah que un chercheur dans les années 1860, c'était un Anglais, avait dit, je crois que le mont du Calvaire était plutôt du côté du mont des Oliviers, parce qu'il me paraît cohérent que ça corresponde à l'autel où on faisait le sacrifice de la vache rousse. Et dernièrement, ils ont retrouvé sur un rocher une forme de cavité, comme si le rocher avait été creusé, et il est à 99%, ils sont à 99% sûrs, les archéologues, que c'est le lieu où était sacrifiée la vache rousse, c'est-à-dire pile en face de la porte du temple, comme le commandait le livre du Lévitique. La vache rousse devait être amenée par-delà le camp, mais en face de la porte du temple, afin que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs puissent voir, avoir un œil sur ce qui se passait, parce qu'ils devaient avoir la vision du sacrifice de la vache rousse. Mais la vache rousse devait être tuée hors du camp. Et comme disait ce chercheur, il dit, ben, le Christ a été crucifié hors du camp. C'est comme le sacrifice de la vache rousse. Savoir que la vache rousse permettait de purifier de la mort. Donc vous voyez un peu l'accomplissement là. Ensuite, en ce qui concerne ce passage de Yom Kippour, c'est-à-dire du jour des expiations, là nous avons la Torah
écrite qui nous le révèle, et nous avons la Mishnah qui nous explique comment se passait cet événement. Pourquoi il est intéressant pour nous aujourd'hui de comprendre comment se passait cet événement? La raison est très simple, cela nous démontre que Christ est venu parfaitement accomplir ce que la Torah était. Il est la Torah et il est en même temps l'accomplissement de la Torah. Et se priver de cette connaissance-là, c'est ne pas comprendre la plénitude de l'accomplissement en Jésus-Christ. Et le peuple d'Israël, c'était très concret pour eux à ce moment-là. Quand ils avaient l'expiation du péché, vous allez voir dans la suite de ce qui va être dit, ils savaient qu'ils étaient purifiés du péché. Parce qu'ils en avaient une preuve tangible, vous allez le voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a parfois des chrétiens qui sont sous l'accusation de l'ennemi, qui leur dit « Es-tu réellement sauvé? Est-ce que tu es vraiment pardonné de ton péché? Est-ce que le Seigneur te fait grâce ?» Et souvent, cette crainte, cette peur, ce doute quant à leur salut, ce doute quant à à l'expiation de leur péché, eh bien, les paralyse tout simplement. Et donc, pendant qu'ils sont en train de se battre pour essayer de savoir si réellement ils sont sauvés, si réellement ils sont pardonnés, si réellement leur péché est effacé en Jésus-Christ, eh bien, ils dépensent toute leur énergie pour pouvoir avoir cette conviction-là, et ils sont paralysés pour le reste. Ils ne vont pas plus loin dans la connaissance du Christ, ils ne vont pas plus loin dans l'expérimentation de la vie du Christ, ils ne vont pas plus loin dans le service pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont empêtrés dans l'accusation. Et aujourd'hui, je voudrais que cette parole qui nous est donnée aujourd'hui, au-delà du fait des explications, j'ai envie de dire, de la vie du temple de l'époque de Jésus et même d'avant, et cette confirmation et cette implication et cet accomplissement en Jésus-Christ, j'aimerais que cela nous fasse ne plus douter de notre salut, ne plus douter du fait que nous sommes parfaitement pardonnés. Bien entendu, dans la mesure où nous avons demandé pardon pour nos péchés et nous avons abandonné notre péché. Je dis toujours et je répète toujours, je ne parle pas de la faiblesse, mais celui ou celle qui se complaît dans son péché et qui essaie de trouver une excuse pour pouvoir continuer à pratiquer son péché, bon, là, il y a un problème, c'est la repentance et l'abandon du péché, c'est une évidence. Mais le fait de trébucher de par notre faiblesse parce que nous sommes soumis aux assauts de l'ennemi et à notre chair qui est faible, ça c'est autre chose. L'apôtre Jean nous disait, si nous avons péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père qui plaide notre cause. Donc voilà, si par accident nous péchons, eh bien nous avons un avocat auprès du Père, nous nous repentons, nous abandonnons tout devant le Seigneur et le Seigneur a la puissance pour nous pardonner et nous purifier de notre faux pas. Alors que nous dit la Mishnah concernant le Yom Kippour? Premièrement, il y a une chose très intéressante, c'est que le grand prêtre, la veille de Yom Kippour et pendant toute la nuit, il se préparait. C'est-à-dire qu'il, entre guillemets, s'entraînait à présenter l'encens, à faire l'aspersion du sang. Il s'entraînait au bain rituel, c'est-à-dire à rentrer dans le mikvé. Mais vous voyez une chose? Un mikvé, combien de quantité d'eau devait-il y avoir dans le mikvé? La Torah ne nous le dit pas, la Torah écrite, mais la Mishnah, oui. Une femme, pour se purifier, il devait y avoir 40 mesures d'eau. Et c'est spécifique. Ça serait trop long à vous expliquer, mais c'était très pratique. Et ça, c'est la Mishnah qui nous le dit, c'est la Gemara qui nous le dit. Et donc, le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait impérativement se préparer, et dans ce laps de temps-là, on lui donnait une épouse de substitution. Si d'aventure son épouse mourait pendant le service, il fallait qu'il ait une autre épouse de rechange. C'est assez étonnant, mais elle était désignée juste pour ce temps de Yom Kippour, parce que le grand prêtre ne pouvait pas être désuni à une femme. Alors on peut se dire, mais quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, nous le retrouvons dans le livre de la Genèse. Quand Dieu façonna l'homme, Dieu dit, il façonna l'homme, son Adam. Puis,
Et là, il y a une forme grammaticale assez intéressante en hébreu. Il les créa mâle et femelle. C'est-à-dire, il le façonna au singulier et il les créa au pluriel. Cela nous montre bien que l'Adam était mâle et femelle. Et Dieu a séparé la partie mâle de la partie femelle afin qu'ils s'unissent. Et en s'unissant, ils redeviennent l'Adam initial. Mais sur la base de quoi? De l'amour. Parce que Dieu est amour. Et en étant unis sur la base de l'amour, en s'unissant, ils reforment l'image de Dieu. Nous créons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est l'homme uni à la femme sur la base de l'amour. Et c'est la raison pour laquelle le grand prêtre ne pouvait pas être atrophié, parce que c'était porter atteinte à l'image de Dieu même. Donc il devait être marié, impérativement. Ensuite, je vais aller dans les grandes lignes, mais ça va être quand même intéressant. Il a porté un taureau, un bœuf. Et ça, c'est assez intéressant parce que le taureau, c'était pour lui et sa famille, pour son expiation. Mais le taureau, c'est le Aleph, la lettre Aleph. La lettre Aleph dans l'alphabet hébraïque, c'est la tête d'un bovin. Mais la lettre Aleph, c'est aussi la lettre de Dieu, d'Elohim. Alors c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y avait un taureau et il y avait deux boucs, deux béliers. Alors le bélier nous fait penser tout de suite à la Hakeda, c'est-à-dire à la ligature de Yitzhak, quand l'ange de l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux, c'est-à-dire non pas regarde en l'air parce que tu es occupé, non, lever les yeux, l'expression hébraïque veut dire littéralement, regarde, je vais te révéler quelque chose. Lève les yeux vers l'autre dimension, c'est-à-dire la mienne, dans la dimension céleste, dans la dimension prophétique. Lève les yeux. Et là, il voit le bélier qui est coincé par ses cornes dans le buisson. La corne du bélier qui nous donne le chauffard. Le chauffard, c'est la parole de Dieu. On en a parlé, le souffle de l'esprit qui va donner un son clair et limpide de la parole de Dieu. Et le sang du bouc et du taureau qui vont purifier et le Kohen Gadol et le peuple. Pourquoi le taureau? Eh bien, c'est l'apôtre Jean qui nous le révèle ça. Et à un moment, il est dit comme ça, « Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » C'est-à-dire que le taureau, c'est l'image de Dieu qui est lui-même en son Fils, se donne, se sacrifie lui-même pour sa créature, pour la rémission du péché. Et en donnant cette vie-là, le Père, quelque part, il donne cette vie de résurrection à son Fils. Le taureau, c'est pour le Kohen Gadol, c'est pour le sacrificateur, c'est pour Christ. Et quand Christ a donné sa vie, le Père lui a redonné la vie. C'est le sang du taureau. Ensuite, que faisait le Kohen Gadol? Il avait donc fait l'expiation du sang du taureau. Et ensuite, on lui a apporté une urne que l'on appelle un kalpi. Alors le kalpi, à l'origine, était en bois. Ensuite, à l'époque du Second Temple, c'était une urne en or, où il y avait deux morceaux de bois sur lesquels était écrit sur l'un Yud-Ké-Vav-Ké, le tétragramme, et sur l'autre Azazel. Et le grand prêtre plongeait les deux mains en même temps dans cette urne, dans cette kalpi, et il ressortait les deux plaquettes de bois. Les deux boucs devaient être identiques, en taille, en couleur, le plus proche possible pour pas qu'on puisse les différencier. Et ensuite, il gardait les mains dont il avait saisi les objets, les deux plaquettes, et les plaçait sur les têtes des boucs. Sur l'un, c'était pour l'Éternel, et sur l'autre, c'était pour Azazel. Celui qui était pour l'Éternel était mis à mort selon l'ordre du sacrifice du temple, et l'aspersion du sang était faite avec le sang du taureau. Le bouc pour Azazel, la Mishnah nous dit qu'il y avait 10 étapes
entre la ville de Jérusalem et l'endroit escarpé sur le mont des Oliviers où était précipité le bouc pour Azazel. Et dans ces 10 étapes, il y avait de l'eau et du fourrage pour le bouc au cas où il se faiblirait. Parce qu'il fallait impérativement qu'il aille jusqu'à Azazel. Le grand prêtre, avant de l'amener jusqu'à cet endroit escarpé du mont des Oliviers, il lui enroulait autour des cornes un morceau d'étoffe en laine rouge qu'il avait déchiré en deux, une qui était clouée au linteau de la porte du temple et l'autre qui était enroulée autour des cornes du bélier. Et le bélier était amené par un homme du peuple jusqu'à cet endroit escarpé. Arrivé à l'endroit escarpé, l'homme qui apportait le bouc, il n'y avait qu'un seul homme qui le faisait, le peuple ne devait pas y aller. Il passait par toutes ces 10 étapes jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit du précipice. À cet endroit-là, il coupait cette étoffe rouge, il laissait un morceau attaché aux cornes et il attachait l'autre morceau à un rocher. Et il précipitait le bouc en arrière avec le rocher. Et nous dit la Mishnah, arrivé avant la moitié de la chute, le bouc était déjà brisé par le rocher. Et un miracle se produisait à ce moment-là. Il y avait un jeu de fagnons. L'homme qui avait précipité le bouc dans le précipice agitait un fagnon pour dire « le bouc est arrivé à Azazel ». Et le grand prêtre se tournait vers la porte du temple et les morceaux d'étoffe rouge était devenu blanc comme la laine. Il avait la preuve visuelle que le péché était expié. Et donc, en sortant, pour lui, il y avait le taureau, n'est-ce pas? Et quand il ressortait, s'il sortait vivant, déjà, il y avait l'approbation de Dieu concernant le péché du peuple, puisque il avait une ceinture, une corde attachée à sa taille ou à sa cheville, au cas où Dieu n'agréerait pas le péché, enfin le pardon du péché du peuple, et il mourrait sur place. Donc plutôt que de rentrer dans le Saint des Saints, on aurait tiré son corps. C'est jamais arrivé, bien entendu. Et là, donc ils avaient la preuve que le péché du peuple était pardonné. Alors à ce moment-là, le grand prêtre faisait la lecture de la Torah et il criait le tétragramme. À ce moment-là, tout le peuple tombait à genoux et adorait Dieu. Le passage d'Ésaïe que nous avons lu nous parle précisément de ça. Il faut savoir qu'Ésaïe vivait à l'époque de Manaché. Manaché était un roi idolâtre et un des pires rois qu'Israël ait connu. Il faisait mettre à mort tous les prêtres, tous les prophètes. Ésaïe a été scié en deux du temps de Manaché. Et toutes les prophéties d'Ésaïe sont dans ce laps de temps-là, le temps où Ménaché avait amené le peuple à aller sacrifier leurs propres enfants à Baal, à Moloch, vous savez, dans la fameuse vallée de Ginnon. Et là, il y avait ces sacrifices abominables de bébés et d'enfants qu'on brûlait par le feu, tout ça pour Moloch. Et Ésaïe prophétisait à ce moment-là. Et il disait, l'Éternel dit, maintenant, discutons ensemble. Si votre péché est rouge comme le cramoisi, je suis capable de le rendre blanc comme la laine. Et c'est exactement ce qui se passait quand le Kohen Gadol faisait le service de Yom Kippour. Il y avait la purification. Et la Mishnah note une chose très intéressante. Parce qu'elle était continuée à l'écrire, après même la mort de Jésus. Et vous savez que 40 ans après, à peu près 40 ans après la mort de Jésus, le temple a été détruit. Eh bien, pendant toutes les années qui étaient entre le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, et le moment de la destruction du temple,
L'étoffe rouge sur le linteau du temple n'est plus jamais redevenue blanche. Et la Mishnah lui en parle. Étonnamment, il n'y a plus jamais eu de pardon. Parce que le pardon n'était plus là. Il était accompli dans une alliance plus parfaite encore. Et à partir du moment où Jésus a donné sa vie, ce miracle qui se faisait tous les ans au temps de Yom Kippour a cessé de s'accomplir. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient péché, le peuple avait péché, et que comme il n'y avait plus de pardon, c'est la raison pour laquelle le temple a été détruit. Pendant près de 40 ans, plus de pardon, et Dieu a enlevé le temple, le Beth Amikdash, au peuple d'Israël. Ça, c'est la réponse des Juifs. Mais nous, qui avons reconnu le sacrifice de Jésus, nous savons que maintenant, ce n'est plus, comme nous dit, on va le lire tout ensemble tout à l'heure, ce n'est plus le sang des boucs et des bœufs qui peut nous sauver et nous purifier des péchés, c'est le sang du Christ. Et donc, à partir de là, Dieu dit maintenant, l'accomplissement s'est accompli dans mon Messie, avec mon Messie, et donc, ce qui était les ombres, la loi, qui était l'ombre des choses parfaites en Jésus-Christ, maintenant cesse de s'accomplir, parce que l'accomplissement ne peut se faire qu'en Jésus-Christ. Mais notons quelque chose de très intéressant. Le peuple d'Israël ne doutait pas de la rémission de leurs péchés parce qu'ils voyaient que l'étoffe était devenue blanche et que le grand prêtre sortait du Saint des Saints vivant. Ils avaient une preuve physique parce qu'ils vivaient sur une pratique physique de la loi, de la Torah de Dieu. Or, aujourd'hui, mais ça impliquait quand même leur foi, parce qu'ils pouvaient très bien dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une entourloupe, et puis on nous dit ça, mais c'était toujours sur la base de la foi, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Est-ce qu'on croit que nous sommes purifiés de tous nos péchés en Jésus-Christ? Est-ce que nous avons cette conviction? La semaine dernière, nous parlions d'un esprit de révélation et de sagesse qui nous le fasse connaître. Il nous faut recevoir la révélation de notre salut en Jésus-Christ et de la rémission de nos péchés en Jésus-Christ. Autrement, on va être bloqué. On va être paralysé et on ne va plus avoir cette certitude. Nous allons être sur le terrain du doute plutôt que sur le terrain de la foi. Or, nul ne peut satisfaire le cœur du Père avec le doute. Pour plaire à Dieu, c'est par la foi. Pourquoi c'est cette base-là? Je l'ai déjà dit aussi, mais je le répète encore. Quand l'homme et la femme étaient dans le jardin, ils voyaient Dieu face à face. Tous les soirs, Dieu venait dans le jardin pour rencontrer l'homme et la femme. Et il y avait une joie. L'homme et la femme étaient heureux de voir leur Créateur. Il n'y avait pas d'ombre. Ils vivaient par la vue. Ils vivaient pas par la foi, ils n'en avaient pas besoin de croire, ils le voyaient. Dieu se révélait pleinement à eux. Est-ce que ça les a empêchés de pécher? Est-ce que ça les a empêchés de transgresser le commandement divin? Non. Et pourtant, ils avaient une connaissance de Dieu que nous n'avons pas. Or, à partir de ce moment-là, Dieu a établi une loi spirituelle qui est « Mon juste vivra par sa foi ». Il faut avoir la foi que Dieu est vivant, parce que quand on l'a vu, cela ne nous a pas empêchés de nous rebeller. Donc c'est pas la marche par la vue qui va nous permettre d'accéder à Dieu, ou du moins de plaire à Dieu, ou du moins d'obéir à Dieu, mais seulement la marche par la foi. Il faut que nous démontrions par notre foi notre attachement à notre Créateur. Puisque nous n'avons pas démontré notre attachement à notre Créateur par la vue. C'est ça, cette loi-là. Donc maintenant, il nous faut cette révélation. Que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Eh bien, on va le lire ensemble. Hébreux chapitre 10, et on va lire à partir du verset 1.
Et mettez donc ce passage en relation avec ce qui vient d'être dit, en relation avec le texte d'Ésaïe et en relation avec l'événement, enfin du moins la cérémonie de Yom Kippour. La loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces choses. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on présente perpétuellement, année après année, donc Yom Kippour, porter à leur accomplissement ceux qui s'en approchent. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui prennent part à ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience des péchés. Or, contraire par ces sacrifices, on rappelle année après année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang du taureau et du bouc ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Je viens ». Dans le livre rouleau, c'est écrit à mon sujet « Pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Il dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui pourtant sont offerts selon la loi. Puis il dit, « Je viens pour faire ta volonté ». Il supprime donc le premier pour établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout prêtre se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir maintes fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis lui soient donnés pour marchepied. Par une seule offrande, en effet, il a porté leur accomplissement à perpétuité ceux qui sont consacrés. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste également, car après avoir dit « Voici l'alliance que j'établirai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs désordres. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Et là, ce texte de Paul, ou du Paul, de l'auteur aux Hébreux, on a des doutes que ce soit Paul qui l'ait écrit, mais on n'est pas sûr, eh bien, nous dit quoi? Ben, regardez Yom Kippour. Tous les ans, on rappelle que le peuple pêche. Tous les ans, on rappelle qu'il faut un sacrifice perpétuel pour le péché du peuple et le péché du sacrificateur, du Kohen Gadol. Eh bien là, Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, tu les as pas agréés à perpétuité. C'était une ombre. Si tu avais agréé le premier Yom Kippour, il y en aurait pas eu d'autres. C'était pas utile. Mais là, tous les ans, Yom Kippour revenait. Alors pourquoi aujourd'hui Yom Kippour est quelque chose de perpétuel et qui n'est pas besoin de rappeler tous les ans? Parce que c'est un Yom Kippour qui est permanent. Il est sorti de la dimension temporelle, qui était le sacrifice des boucs et des taureaux, pour rentrer dans la dimension intemporelle. Qu'est-ce que c'est concrètement? Cette intemporalité existait déjà, est déjà établie dans les lieux célestes. Quand Ézéchiel a eu la vision de l'homme, d'un fils de l'homme, il voyait ce sacrifice. Quand Jean disait « je voyais comme un agneau immolé », c'est ce qu'il voit dans la dimension céleste, dans la dimension des eaux d'en haut. Eh bien, l'intemporalité de ce qu'il y a dans les lieux célestes est venue s'établir sur la terre qui, elle, est demeure encore dans la temporalité. Et c'est là notre difficulté. Parce que c'est quelque chose d'intemporel qui est venu s'exprimer dans la temporalité. C'est ça notre problème. On se dit, bah oui, mais est-ce que je suis toujours pardonné? Pourquoi une action qui s'est faite il y a 2000 ans peut encore produire du fruit aujourd'hui? Simplement parce que c'est l'intemporalité qui est venue dans la temporalité. C'est simple.
C'est aussi simple que ça. C'est les cieux qui sont déjà venus sur terre. Quand Jésus disait, mais le royaume des cieux s'est approché de vous, c'est ça dont il parlait. Je suis l'intemporalité et je suis venu dans la temporalité. Donc, j'ai dit à mon Père, j'ai dit à Dieu, me voici pour faire ta volonté. Si je fais ta volonté dans la temporalité, c'est l'éternité, l'intemporalité qui va se mettre en pratique dans la temporalité. Donc, de tout temps, de toute nation, de toute éternité, l'homme peut trouver le salut en Jésus-Christ et le pardon pour ses péchés. Donc, il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux. Mais avant que le Messie soit venu établir l'intemporalité dans notre temporalité, eh bien, il fallait des sacrifices d'animaux. C'est aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on croit ? Est-ce qu'on croit qu'il faut renouveler le sacrifice, c'est-à-dire il faut faire pénitence, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on produise quelque chose pour avoir, si possible, le salut ou le pardon de nos péchés ? Ou est-ce qu'on croit que tout est accompli en Christ et que c'est sur la base de notre foi ? C'est sur la base simplement de notre foi en ce que Christ a accompli. Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tu es venu établir dans notre temporalité une réalité éternelle. Et sur cette réalité éternelle, je peux fonder ma foi pour croire que je suis pardonné de tout péché et que j'ai le salut en toi. Tu as tout accompli et parfaitement accompli. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice immense. Pourquoi ? Parce que tu as dit toi-même, je viens pour faire ta volonté. C'est ton sang, c'est ta chair qui est le voile. Quand on dit que le voile du lieu saint, du Saint des Saints a été déchiré, en fait, c'est la chair du Christ qui a été déchirée et qui nous permet de voir Aleph en lui, le Père en lui. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. On pense que le Messie, c'est simplement un homme qui va délivrer Israël. Non ! Ça, c'est les Juifs qui pensent ça. Ils pensent que le Messie, c'est simplement un homme qui est un peu plus doué que les autres et qui va faire en sorte que la nation d'Israël va vivre en permanence en Dieu et qu'ils vont établir le règne du Christ, enfin de leur Messie sur la terre. C'est pas faux, mais c'est très terrestre. Or, la réalité, c'est céleste et terrestre en même temps. C'est la jonction entre la temporalité et l'intemporalité. Et c'est là où certains chrétiens ne restent que dans l'intemporalité, c'est-à-dire que tout est allégorie. Et là, c'est une erreur, parce que Dieu a créé les choses matérielles et il a dit tout est bon. D'ailleurs, il y aura des nouveaux cieux et nouvelles terres. Et les juifs qui sont que terrestres. Il y a une dichotomie là, alors que c'est la jonction des deux qui nous donne la réalité. Alors quand le voile s'est déchiré, quand la chair du Christ s'est déchirée, ça nous a donné la possibilité de voir le taureau, de voir Aleph, de voir le Père. Et donc quand nous pénétrons dans le Saint des Saints, parce que par le sacrifice de Jésus nous avons cette possibilité là, demandons tous à avoir cette révélation de ce voile déchiré pour que nous comprenions quelle est la hauteur, la grandeur et la largeur et la profondeur de ce qu'il est. Lui, le Père révélé en Jésus-Christ. Et alors, nous avons la possibilité de rentrer par-delà le voile pour être en communion intime, cœur à cœur, avec Dieu en Jésus-Christ par les puissances du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, connaissant qui est Dieu, sachant comment il est, nous laissant nous transformer par le Saint-Esprit à l'image du Messie, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune condamnation, il n'y a rien qui puisse nous ravir de son amour, ni les dominations, ni l'enfer, ni la mort, ni Satan. Nous sommes dans le cœur du Père. L'Erlé Shalom.